Vous êtes sur RTL. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Signy. Vous le savez, Forrest Gump disait « La vie, c'est comme une boîte de chocolat ». Faut toujours citer Forrest Gump. Eh bien, figurez-vous que le budget aussi, oui, c'est en tout cas ce qu'a dû penser le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui, en commission des finances, en présentant son budget, a tenté le tout pour attendrir les députés. Écoutez. Le budget 2019 est donc l'acte 2 de la transformation du pays. Il est dans la continuité et dans l'accélération. Ah oui, je vous ai apporté des petits chocolats de Tourcoing qu'on appelle des pavés. Ah, quelques petits chocolats offerts de bon cœur, plaisir d'offrir, sauf que le président de la commission, Éric Woerth, il n'est pas trop joyeux de recevoir. Merci, s'il vous plaît. C'est une tentative, on met un peu de douceur dans notre... Monsieur le ministre, vous avez la parole pour des sujets Merci. Moins doux, moins sucrés. Pas dupe, Éric Woerth. Éric Woerth, l'incorruptible qui visiblement n'est donc pas très sucré. Le problème, eh ben, c'est qu'il n'est pas très salé non plus. Car l'an dernier, respectant la tradition, Gérald Darmanin avait opté pour du fromage, histoire d'enrober son budget, sans plus de succès, souvenez-vous. Il y a du bon fromage entre Tourcoing et Roncq, monsieur le député. J'ai pas pris le plus odorant pour pas que vous me... Dans le Nord, on sait faire. Manger sans crainte, c'est sans danger, comme dirait le film. Voilà. Il n'y a pas de beurre, non, mais monsieur le fromage... On apportera le beurre de Normandie. Allez, reprenons, s'il vous plaît. Ouais, reprenons. Impassible, hein, de quoi déstabiliser n'importe quel ministre. Gérald Darmanin, pour qui les options commencent à sérieusement se réduire pour l'an prochain. Cyprien Signy, RTL, il est 8h. RTL Matin, Yves Calvi.